Et salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo de Daylight Killer avec le Trapper, avec un build bien basé sur de la chase, au niveau donc des fenêtres, du blocage, de la rapidité, de l'empêchement donc de palette, de la pose rapide de piège. Explication, c'est parti. Vous allez prendre Déboussolé du clown qui fait que vous allez passer donc les obstacles 15% plus rapidement, et lorsque vous allez faire cette action, et bien l'entité va bloquer le lieu pendant 16 secondes, un seul lieu à la fois, et ça n'affecte pas les palettes. Vous allez prendre Anatomie supérieure du Mastermind Wesker qui fait que lorsqu'un survivant donc effectue un saut rapide à moins de 8 mètres de vous, cette compétence s'active. La première fois, prochaine fois, que vous allez sauter à travers une fenêtre, votre saut et bien augmente de 40%. Cette compétence bien évidemment se désactive après ce saut et elle a un temps de recharge de 30 secondes. Vous allez prendre Garder le meilleur pour la fin de Myers. Vous avez une obsession pour un survivant. Chaque attaque de base réussie qui n'est pas infligée à votre obsession vous donne une réduction cumulable de 5% sur la récupération donc de ces attaques, ce jusqu'à 8 jetons, donc 40%. Si vous frappez votre obsession avec une attaque de base, vous perdez 2 jetons. Et bien évidemment, si elle meurt, vous ne pouvez plus gagner de jetons et vous terminez la partie avec le nombre de jetons en votre possession. Enfin, vous allez prendre la faveur de sang, donc le totem du fléau Blight qui fait que lorsque vous avez blessé un survivant, et bien l'entité va bloquer les palettes dans un rayon de 32 mètres autour de la position du survivant pendant 15 secondes et les effets de ce sort persistent tant que le totem est debout. Les add-ons, vous allez prendre le gant du piégeur qui augmente de 30% la vitesse d'installation d'un piège à ours et les outils d'assemblage qui augmentent de 50% la vitesse d'installation des pièges et augmentent de 25% le temps requis pour sauver ou tenter de sauver un survivant dans un piège. Vous allez donc déjà avoir un bonus de 80% à la vitesse d'installation des pièges. Utilisez vraiment cela à bon escient lorsque vous allez être en chase pour rapidement par exemple trap un loop. Ce qui pourrait tout simplement surprendre bien les survivants. Avec le déboussolé, vous allez pouvoir bloquer les fenêtres. Si jamais vous aviez blessé un survivant au préalable et que la faveur de sang est toujours active, eh bien il n'aura ni fenêtre ni palette et donc vous aurez pouvoir la possibilité de le mettre soit eh bien en état critique, soit tout simplement de le blesser. Toutes les 30 secondes, vous aurez un saut eh bien, qui sera augmenté de 55%. Puisque je rappelle, avec l'anatomie supérieure, c'est 40%. Le déboussolé, 15%. Si jamais vous êtes en chase, eh bien, avec un survivant, avec en plus de ça, pas mal de jetons au niveau de garder le meilleur pour la fin, vous aurez donc une efficacité absolument redoutable. Je rappelle, si jamais votre obsession, par chance, eh bien, prend un piège, vous pouvez tout simplement la ramasser. Ne lui mettez surtout pas de coups, vous perdriez 2 jetons pour rien. Vous allez directement sur le survivant, vous le ramassez, c'est déjà un gain de temps, et en plus de ça, vous ne perdez pas de jetons et donc d'efficacité. Je vous laisse découvrir ce gameplay, ça se passe donc sur Backwater. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche, Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h, et le plus important, bonne chasse à tous. Oh bah Backwater, enfin, je vais juste augmenter un peu mon son à moi. Yo Saru, ça vaut quoi? Ouais, non mais je sais que vous l'entendez, t'inquiète pas, je sais. T'inquiète. Ça va super bien, Saru. C'est faveur de sang, Razu, ça va... quand je vais hit les survivants, eh ben, je vais du coup les empêcher d'utiliser les palettes. Tout simplement. Ok, c'est parti. On a du coup une Yui. Tout à fait. Ok, cool. Donc là il y a la ferve de sang, on va pouvoir du coup l'utiliser. En plus de ça, donc on a on a Bamboozle. J'ai voulu essayer du coup un Léo Blight. J'essaye du coup un build assez agressif en termes de chase pour voir bah, tout simplement ce que ça peut donner. Bon là du coup on a une early chase qui est assez violente pour le coup et ça c'est vraiment cool. On a vraiment une early chase qui est assez cool. Donc let's go. Là on est vraiment bien. En plus le totem il est complètement paumé du coup. Backwater c'est quand même assez cool par rapport à Trapper. C'est vraiment une très très bonne map Trapper du coup à Backwater. On a du coup ici, on a bah lui. Alors par contre, ok. Bon là il va drop hein, direct. Hein. Ouais. On a mis du coup. Ok, on va le loop comme ça par ici. Ok. Quoi? Wow.
Ah oui, d'accord, ok, en effet, ouais. Bah écoute, GG Rook. Le mec, il doit être mort de rire. Bref. Pas où il est. Et merci Lolo pour le raid. Ouais, je venais de le mettre, ouais, de ouf. Il est là-bas. Salut Worm, ça vaut quoi? Ok, là-bas. Comment ça va Lolo? Salut, merci beaucoup pour le raid. Je vais te faire un SO direct après Lolo, hein. J'arrive, elle va prendre le trap. Voilà, parfait. Ah merde, j'aurais dû la ramasser, je suis con. Comment ça va Lolo? Impeccable. Bah ça va super bien Lolo, petite game trappeur assez, assez agressive. Basically what you wanna do is DC. T'as fait du tueur, let's go. Qu'est-ce que ça a donné les games? Qu'est-ce qu'elles ont donné tes games Lolo? Qu'est-ce qu'elles ont donné tes games? Alors attends, bah, je vais te faire un SO, hein. C'est juste que j'ai pas de modo encore du coup mais je vais te faire un SO juste après promis Lolo. En tout cas merci énormément pour le raid. Ça fait super plaisir vraiment ma petite Lolo, vraiment. Pour ceux qui connaissent pas Lolo, eh bien c'est un amour tout simplement. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est un amour. Donc n'hésitez vraiment pas. Ok. On va ramasser. Je vais te faire ça après, c'est promis. T'inquiète pas, Lolo. Elle va vouloir mettre la palette. Parfait. On va récupérer. T'as passé une bonne journée ou quoi, Lolo, du coup? On va essayer d'aller récupérer quelques pièges. En plus de ça, du coup, il y a la Meg. Et là. Car j'ai osé tuer en tout. Ah ouais, bah. Ouais, ça, malheureusement, c'est. Ça, malheureusement, Lolo, c'est. C'est, eh bien, la règle au niveau, donc. Du tueur, malheureusement, du coup. Si tu tues en tant que tueur, c'est compliqué, ouais. Ok, parfait, on est vraiment bien là pour le coup dans cette game. Franchement, on est vraiment. C'est assez Gucci hein, quand même, on va pas se mentir, les potes. Hein. C'est assez Gucci hein, ce qu'on est en train de se passer là, clairement, actuellement. Ouais. On va voir pour voir s'il y a des survivants qui sont là. Là, on sait qu'il y a la Meg. Voilà, on sait qu'il y a la Meg qui est là. En plus, il n'y a plus de. Il a plus du coup de palette. Salut Chambi, ça vaut quoi? Elle va passer? Non? Ouais, elle est là. Ça va Chambi? Pas la Lust, hein. Parfait. Voilà, on va la ramasser. Ça va super bien, Chambi. Je suis en train de faire une belle game trapper là pour le coup. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Elle, on va la mettre du coup dans la cave. Parce que la cave elle est là. En vrai, on est bien là dans cette game. Hein. Franchement, on est solide. Hein. On est vraiment solide sur la game. Bon bah tant mieux alors. Si ça va, tant mieux, tant mieux. Elle avait libé, bien joué. On va récupérer le trap. Ok, on va aller sur le gène qui est là. On va ramasser le trap. On va le mettre ici. Ça veut se reset, je pense. Lolo, je te promets, hein, je vais te faire vraiment le SO juste après, hein, c'est promis. C'est juste que là, pour le coup, j'ai vraiment pas de modo. Je suis vraiment désolé, Lolo. Oh, bien joué. Elle va vouloir, du coup, loup par là. Elle va prendre le trap.
Et on ramasse. Et elle, elle est morte du coup. Parfait. Allez, donc ça fait un de moins. Non mais c'est... Non, non, je fais le SO, Lolo. C'est tout à fait normal. Tu rigoles ou quoi? Allez, parfait. Donc ça fait un de moins. On est sur une game solide là en vrai, hein, de trappeur. Hein. Pour le coup, le build il est vraiment pas mal. Hein. On a de l'anti-palette, on a du coup de la fenêtre, les trappes. Ok, on a le Jeff qui est là qui veut enlever du coup le trap. Ok, il y en a un autre. Oh, il l'a pas pris, bien joué ça. Ok, on va passer par là. Bien joué, je l'ai raté. Parfait. Nickel. Ok, donc lui il est là. Il y a la Meg du coup qui est là. On l'a vu. Ils ont toujours pas trouvé le ils ont toujours pas trouvé le faveur de sang. Franchement on est vraiment trop bien sur la game pour le coup. Voilà. Le faveur de sang qui est actif. Ok, ils ont fini le gen qui est là-bas, mais en vrai c'est pas très grave. On a le bamboozle et l'anatomie supérieure. Il reste du coup uniquement la palette chaque du coup. Il reste la palette chaque. Si je me trompe pas, il reste là. Palette chaque, elle va la baisser. Ok, parfait. Ok. Elle a été dans l'autre sens. Elle a bien joué. Elle est là-bas. Lol, 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 lol. Ok. Ok. Elle est là-bas. Voilà, elle est là. Bien joué. Allez hop. Et merci beaucoup pour le follow, Neptalius. J'espère que tu vas bien. Ok, parfait. Donc elle est morte. Malheureusement, du coup, c'est l'obsession. On va perdre les jetons. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok, ça fait 2 de moins. Bah, en soi, c'est pas le fait que ce soit la Meg. C'est surtout le fait que ce soit mes jetons, en fait, moi, qui me... Tu vois, qui est un peu relou. Mais... Ok, parfait. Le Jeff, il a raté du coup. Du coup, en plus, avec son boost de vitesse, c'est bien dommage pour lui. Voilà. Et là, il y a peut-être le David. Non, il n'y a pas. Ok, let's go. Bon, lui, il est mort du coup également. Et il va manquer, eh bien, que le David. Et le David, il est parti par là-bas, puisque j'ai vu les traces rouges. Donc, il est parti en direction de la chaque. Ok, ça c'est bon. Donc le David il est par là. J'ai vu les traces rouges qu'il y avait du coup sur le sur les arbres. Après, est-ce que je vais le trouver dans Backwater? Ça c'est une autre paire de manches. Mais en tout cas il était par là. Est-ce que t'es... Non. Ok, bon. Faut trouver... Ah, il est là. Ok, nice. Bon, s'il se prend un trap, ça serait parfait. Ça m'étonnerait, mais Ok, il y a encore la palette là, il va la drop instant, hein, forcément. Voilà. Il va repasser sur la droite, ici. Il y a la palette qui est là. On va le péter instant, parce que du coup, par là-bas, il n'y a plus rien, en fait. Il a plus de palette. Alors par contre, là, il y a peut-être la possibilité qu'il prenne le trap. Hein. S'il prend le trap, c'est bon. Et il le prend pas, bien joué. Ok, il y avait la palette qui était là. Ça a pété. Il a pas pris le trap non plus. Très bien joué. On va passer par là. On va faire comme ça. Impeccable.
Bon bah ça fait une très belle game. Et eh bien Trapper du coup. J'ai déjà eux. Nice. Et du coup je vais pouvoir te faire ton SO ma petite Lolo. Et je vais pouvoir te faire ton SO également frérot du coup. Puisque j'ai fait aucun SO aux deux. Voilà j'ai déjà eux. J'espère que cette game Trapper elle vous aura plu. Alors, du coup, pour ceux qui connaissent pas, le frérot Zulus, eh bien c'est pareil, c'est un main killer, main Myers du coup, c'est un amour.